là, je vais ranger mon sac, ranger tout ça dans mon sac. Avec vous, bien sûr. Et je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté, du coup, pour compléter un peu les fournitures mappettes. Voilà. Ok. T'as ta liste ? Du coup. Alors, liste du matériel souhaité pour l'entretien en CM2. Non, pour l'entretien. Pour l'entrée. Allez, coupez, on recommence. Liste du matériel souhaité pour l'entrée en CM2. Il nous faut une trousse contenant. Alors, c'est parti. Donc, une trousse. Une trousse. Alors, donc. Alors, je vous présente la plus belle trousse de tous les temps. Elle est juste trop belle, en fait. Enfin, je sais pas, elle est... Du coup, hier, pour ceux qui ne savent pas, je suis allée à Paris. Vous avez sûrement dû le voir sur Instagram. Je suis allée à Paris et j'ai fait un peu les magasins. Et je suis allée notamment dans un magasin Harry Potter qui s'appelait La Boutique aux Deux Balais. Et du coup, j'ai acheté ça, cette trousse. Elle était trop trop belle. Et en fait, j'ai acheté parce que je voulais garder celle-ci. Parce qu'elle était tellement belle que je voulais la garder pour chez moi, en fait. Voilà, je voulais la garder pour la maison. Je vais ouvrir la trousse. Alors. Du coup, on a trois compartiments. Donc, on en a deux ici, comme vous pouvez le voir. Donc, un là, avec du coup ces motifs-là. Ils sont trop trop mignons, les motifs. Les motifs, bien sûr, en rapport avec Harry Potter. Exactement la même chose pour l'autre. Et au milieu, du coup, on a le troisième compartiment qui s'ouvre séparément des deux autres. Voilà. Et celui-là, l'intérieur est blanc. Et je vais enlever ça. Parce que ceci n'est pas une fourniture scolaire. Voilà. Hop. Je vais refermer tout ça. Voilà. Donc, ensuite, que faut-il mettre dans ce sac à malice? Ce sac à malice. Un stylo bleu, rouge, vert et noir. J'ai. Du coup, un stylo bleu, rouge, vert et noir. Parfait. Un stylo du coup, comme ça. Alors, tu as opté cette année, voilà. Donc, tu me disais, on l'a vu dans la précédente vidéo, que cette année, tu n'as plus le droit aux fusions. Oui. C'est comment on dit fusion? Friction. Friction, voilà. Les stylos gomme, c'est interdit parce que pour vous apprendre à barrer, à rater, enfin voilà, que ouais. Ça se voit. Donc cette année, tu as opté pour des stylos comme ça. On va peut-être enlever les codes barres. Hein, oui. Qui se clipsent comme ça. Voilà, très très bien. Écoute, me charge d'enlever les codes barres si tu veux bien pendant que tu continues. Vas-y, donne-moi deux. Ensuite, il nous faut un crayon à papier. J'ai ça d'écrit en papier ici. Ici, là, il y a des crayons à papier. Hop, donc je vais ouvrir tout ça. Le cerf-d'aigle, parce que du coup, je suis cerf-d'aigle en fait, tout simplement. Donc je prends un crayon à papier cerf-d'aigle bleu comme ça. Ensuite, il me faut un taille-crayon avec réservoir. Un taille-crayon avec réservoir, je prends celui-là, du coup, le Gryffondor. Alors, si j'arrive, je ne vais pas y arriver. Voilà, c'est bon. Youpi! Allez, sortons ce petit taille-crayon. Il est trop mignon. Il est tout petit, c'est trop mignon. Hop, se referme pareil très facilement. Dans la trousse. Ensuite, une gomme. Ici, j'ai une gomme. Hop, j'ouvre. Ça s'ouvre trop bien. Voilà, gomme pareil, cerf-d'aigle, parce que je suis cerf-d'aigle. Trop belle, assortie du coup avec le crayon à papier. Ensuite... Une paire de ciseaux environ 17 cm. Une paire de ciseaux environ 17 cm. Je vais voir la taille de la paire de ciseaux. 16 cm. C'est bon, parfait. C'est parfait, voilà. Tiens, moi j'ai fini ma corvée étiquette. Merci. Voilà. Voilà. Ensuite, de la colle. Alors ça, faut de la colle. Je pense que j'en ai assez de la colle. Hein. Ouais, on a fait le plein. On en a acheté ouais. Plein parce qu'effectivement, t'en utilises énormément de la colle. Oui, j'en utilise beaucoup. S'il y arrive. Donc là, dans un premier temps, un tube, c'est bien. Hein. Oh, deux tubes, oui. Ouais, deux tubes, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Dans le sac à maïs. Ce qui est pratique avec cette trousse compartiment, c'est que tu peux séparer. Ça ne te fera pas une trousse... complètement serré ou t'as du mal à fermer. Ensuite, il nous faut des chaussures fluo. Je vais prendre deux couleurs, du orange parce que c'est ma couleur préférée et du vert. Allez. Ouais, et puis voilà, au cours de l'année, tu pourras en prendre d'autres. Ouais. Ensuite, du coup, dans la trousse, il nous faut
5 feutres d'ardoise, bleu pointe moyenne et un chiffon. Du coup, le chiffon, j'ai ça. Oui. Voilà. Et les feutres d'ardoise, je vais pas tous les prendre bleus, je vais peut-être pas en prendre 5 non plus. C'est ça. Donc, je vais en prendre 3 pour le départ, voilà. Voilà, même 2 ça suffit, chérie. Ouais, je pense que j'en prends 2. Voilà, 2 ça suffit. Du coup, je vais prendre un peu des couleurs vives que personne n'a. Donc, je vais prendre du orange. Alors, je pense que quand la maîtresse elle dit bleu, c'est pour que ça se voit de loin. Orange, je suis pas sûre que ça se voit. Bon, enfin, tu peux prendre une couleur un peu rigolote pour la forme et après t'en prends 2 bleus. Genre 7 couleurs. Elle est drôle. Ouais, turquoise, bah, c'est joli. Et la deuxième couleur. Ouh, un deuxième bleu. Comme ça, j'aurai une nuance de bleu. Voilà. Ouais, voilà. Très beau. Hop, je mets ça dans mon sac à malice ici. Et ça aussi, du coup. Voilà. Du coup, les deux compartiments là, ils sont terminés. Et ensuite, du coup, dans le petit compartiment là, je vais mettre feutre et crayon de couleur. Ok. Du coup, je vais verser en un les crayons de couleur. Comme ça. Donc les fameux crayons de couleur Harry Potter. Ouais, les Harry Potter, ceux-là. Et je mets les feutres par-dessus, les feutres qui sont juste là. Les feutres, voilà. Hop. Adieu la trousse de feutre. Donc du coup, contrairement à l'année dernière, tu te retrouves avec une seule trousse. Ouais, une seule trousse. Bon. Du coup, ça rentre. Est-ce que j'arrive à fermer? Parfait. Ça a glissé tout seul parfaitement. Du coup, ça s'est rempli. Je vais essayer de ne pas faire tout tomber ce qu'il y a là-dedans quand même. Ce serait très bête. Et je vais refermer le tout. Ouais, super. Voilà. Bon, elle est bien grosse, mais au moins... Elle est bien dodue, mais c'est pas serré et c'est... Oui, voilà, c'est pas très, c'est pas du tout serré même. Voilà. Et du tout, t'as tout en un, en trois. Voilà. Trois en un, plutôt. Voilà, trois en un, exactement. Bon, c'est parfait. Voilà, trousse terminée. Du coup, je la mets là et je rangerai après dans mon cartable. Il me faut ce qui est là, hop. Donc, une ardoise et 5 feutres d'ardoise, tout ça, j'ai déjà mis. Donc, une ardoise. J'ai, c'est vraiment la super belle ardoise avec ça. Et ça, j'aime trop, c'est trop trop mignon. Donc, je vais mettre d'abord de côté, je vais mettre juste ici. Ensuite, une règle plate de 30 cm, une équerre, un compas, une règle de 30 cm. Une règle de 30 cm. Où sont les règles? Juste ici. Une règle de 30 cm. Alors. Elle est belle, hein? Elle est vraiment de... Elle a l'air vraiment d'être de bonne qualité. Hein. Elle est super belle. Très bien. On voit bien le motif ou pas, si je mets mes mains? Oui, oui, si, on voit bien, chérie. Super. Pareil, je mets de côté une équerre. Une équerre. Je prends l'équerre cerf-d'aigle et pas l'équerre serpentard. Hop. Ouais, une équerre comme ça. Cette forme, ça va? C'est pas grave si c'est pas la forme... Ah oui, c'est très bien. Bah, une équerre, c'est une équerre. Hein. L'essentiel, c'est qu'il y a un angle droit. De toute façon. Voilà, ouais, parfait. En bleu, donc, serpentard. Oui. Cerf-d'aigle, pardon. Excusez-moi. Super. Ensuite, un compas. Un compas. Du coup, pour le compas, je prends cette boîte. Voilà, et j'ai enlevé du coup ça dedans. Ça me force pas trop, mais je peux totalement le mettre dans ma trousse Gryffondor pour le garder pour la maison. Tout à fait. Voilà. Donc, tu prends voilà, le kit compas. Et tu le laisses dans sa boîte, comme ça au moins. Je le laisse dans la boîte, oui. C'est en sécurité, tu te piques pas et tout, et puis c'est bien. Parfait. Alors, ensuite, du coup, je vais poser là sur mes genoux avec les autres petites choses. Il nous faut une calculatrice. Une calculatrice, du coup, je vais garder celle que j'avais l'année dernière. Ouais, voilà, comme voilà, ça. Voilà, c'était une Casio et elle est parfaite, hein. Ouais, ensuite, je la mets comme ça. Il y a vraiment beaucoup de touches, c'est ça qui est cool, en fait. Voilà. On, voilà, tu ça calcule. Elle est très bien, elle marche encore très bien, elle fonctionne encore parfaitement bien. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas solaire, du coup, s'il n'y a pas de soleil, si les stores sont fermés ou quoi, enfin, c'est pas. On voit rien en fait, c'est ça le truc. Est-ce que vous remarquez que Lilou est là? Vous ne croyez pas qu'on l'a enfermée, hein? Non, bah non, non, non. Elle adore être sur la fenêtre. C'est ça, elle est à l'extérieur, elle prend son petit bain de soleil. Ouais, elle est trop mignonne. Un classeur, j'ai un classeur. Ok. J'ai un classeur. Et du coup, j'ai pris la pochette comme si. Plastique. La pochette à rabat. À rabat, ouais. Qui va avec, voilà, c'est exactement la même. Voilà, t'avais besoin de ça, la pochette à rabat. Ouais. Ça, de côté sur mes petits genoux. Si j'ai un. Ensuite,
Donc après, il nous faut des feuilles simples perforées, grand format, grand carreau. Du coup, j'ai là un paquet de feuilles perforées, grand format, grand carreau. C'était ça? Oui, c'était ça. Du coup, voilà, c'est bon. Ensuite, il nous faut un paquet de pochettes plastiques perforées, grand format. Donc, je mets pareil tout ça dans mon classeur par-dessus l'effet comme ça. On se retrouve juste après. Parce que ça va être très très long là. Oui, ça a été très long il y a 2 secondes. Donc là, ça va être très très méga long. Vraiment. Allez, bon courage. Hein. Merci. Du coup, c'est bon, c'est mis. Enfin. Donc, j'ai mis toutes les feuilles classiques et toutes les feuilles perforées, machin, bidule, grand format, grand carreau. Voilà. Voilà. Et le roman Joker de Suzy Morgenstern de Mouche de l'école des loisirs. Je l'ai là, maman est allée le chercher à la librairie. Voilà, c'est le roman qu'il faut lire pour cette année, enfin qu'on va lire ensemble, quoi. Ok, vous avez travaillé dessus, je pense. Ouais, on a travaillé dessus. Et les CM2, en fait, j'étais en double niveau cette année. Et les CM2, du coup, je les ai vus travailler dessus et tout. Voilà. Ok. Et aussi, ils disent bien de ne pas fournir ni agenda ni cahier de texte à votre enfant. Parce qu'un agenda de la Ligue lui sera remis à la rentrée des classes et servira de support pédagogique à l'éducation et à la santé. C'est ça. Donc, Voilà. contre la ligue, contre le cancer. Voilà. Voilà, parce que l'école dont fait partie Swan a pour collaboration donc la Ligue contre le cancer. Donc très très bien, ça c'est très bien. Bon bah Voilà. voilà mon chat. Et bah, il n'y a plus qu'à mettre tout dans le cartable, je Voilà, pense. t'as plus qu'à remplir ton cartable maintenant. Et je voulais aussi, du coup, ça, je l'ai acheté pareil dans la boutique aux deux balais hier. Je voulais le mettre pour décorer mon petit cartable. Donc c'est en fait une mini pop porte-clés Harry Potter. C'est trop trop mignon. Je vais vous montrer ça. Regardez, il est trop mignon Harry Potter. Trop cute. Ouais, Tout exact. petit, trop Trop mignon. mignon. Du coup, bah, je vais le passer à l'intérieur si j'y arrive. Donc voilà, maintenant je peux fermer le cartable et je suis prête pour, ça je vais le mettre là quand même, pour bah, cette année scolaire de CM2. Voilà. On ferme le tout. Et allons-y, allons à l'école. Let's go. Voilà, t'es prête, mon chat, c'est parti. Ok, bah parfait mon chat, très bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a plu. Maman, est-ce que cette vidéo t'aura plu? Parfait. Donc voilà, ciao, Allez, ciao ciao et à très bientôt pour d'autres ciao. Ciao. vidéos. Ciao. Abonnez-vous, laissez des commentaires et pouces bleus.